Rebonjour pour cette partie Let's Play Zombie U 21 ou 22 peut-être. Donc là, on vient de buter deux fois la boss de l'école, on pourrait dire, pour ceux qui s'en souviennent. C'est carrément deux fois le même personnage. C'est supposé être difficile, mais je suis un poltron, donc c'est pas si difficile, mais c'est pour le démontrer. Hein, donc. En fait, ça fait peur un peu des fois parce que ça fait sursauter un. Pas à peu près ce jeu, des fois, pas tout le temps. En fait, bon, donc là on peut voir que c'est un endroit non-retour, j'ai hâte de voir ça. Le boss, avec la petite musique. Donc pour ce boss, je vais utiliser mon shotgun double. Une flash et une grenade incendiaire parce que j'en ai jamais utilisé quasiment dans le jeu. Donc amusons-nous. Maintenant, on va avoir un peu de recherche à faire, vite fait. Et le code n'a pas changé. C'est le même que la première fois que j'ai fait le tour du jeu. Il va y avoir de l'action de l'autre bord. On va recharger. Thank you.
on dirait que c'est tout. Donc maintenant on va regarder mes balles. J'utilise beaucoup trop de balles. Et grâce à des survivants, ça aide. Le fait d'avoir internet et de jouer à ce jeu change tout. Donc ça te permet d'avoir des survivants qui te sauvent. J'ai un bug. Oui, là je me souviens, faut que j'ai ouvert la... truc, la petite crotte avec l'œil. Ce qui est triste, c'est que malheureusement, je peux pas couper tous les loadings. J'aimerais ça. Mais ça enlèverait tellement de qualité à l'image, à la vidéo que ouf, je sais pas si ça envolerait la chandelle.
strong hardcore music to it. Malheureusement, ça va être tout pour cette partie encore. Et on revient là-dessus encore une fois tout de suite parce que je veux au moins pouvoir sauvegarder avant d'arrêter de jouer. Donc...